Manuscrit de la mer morte, l'un des parchemins les mieux préservés des 10 commandements est proposé en ce moment au public à New York. C'est très rare et on s'y bouscule là-bas. Sur place, Maryse Burgot, Nicole de Villene. Un air de fête de Noël à Times Square et une exposition un peu insolite au cœur de cette effervescence. Les manuscrits de la mer morte furent écrits il y a plus de 2000 ans. Des parchemins millénaires au néant de Times Square, incroyable voyage dans le temps. It's so rare to see something like that, and it connects you to where you came from. I was surprised. I was very moved. Yeah. Ce manuscrit des 10 commandements est le plus ancien jamais découvert à ce jour. Des fragments de la Bible très fragiles. Ils sont d'ailleurs habituellement enfermés dans un coffre en Israël, à l'abri de la lumière. Pour quelques semaines, ils sont exposés à New York. Fascinant morceau de peau de chèvre. Pensez donc, il y a plus de 2000 ans, un homme, un scribe, y posa cette régulière et belle écriture. Because they were located next to the Dead Sea, the climatic situation there was such that these pieces were able to defy the odds and survive. Les rivages de la mer morte à Qumran en Cisjordanie, une région désertique, c'est là, dans ce royaume de roches qu'ont été découverts en 1947, ces manuscrits exceptionnels. Un jeune bédouin cherche ses chèvres égarées dans une grotte. Il trouve des jarres. Elles étaient hautes, comme ça, avec 4 anses. Parmi celles que j'ai fouillées, une seule contenait des manuscrits. Ce fut l'une des plus grandes découvertes archéologiques de l'histoire. Depuis, les rouleaux de la mer morte ont été numérisés et sont consultables sur Internet. Mais pour ces fêtes de Noël, l'extrait des 10 commandements est visible à l'œil nu à New York. Petit moment de grâce dans le tumulte de Times Square. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres. La colère de la Turquie. Ankara rappelle son ambassadeur, suspend ses relations avec la France. Le gouvernement parle de plaies irréparables après le vote par l'Assemblée nationale tout à l'heure du texte sur la pénalisation de la négation du génocide arménien. Merci de nous avoir suivis.